amis les invités présents ce soir. J'espère que vous avez réussi à déterminer cette maison conspirée avec Andrei. Réussi à déterminer quelle maison. Oui, quelle maison conspirée avec Andrei. Une fois celle-ci révélée, je compte sur vous pour la châtier immédiatement. Dénoncer la maison traîtresse et châtier-la. Portez-vous bien. Revenez vite, surtout. Merde. C'était la chancelière comment ? Quelle tenue cocasse. Ce sera tout pour le moment. C'était elle. Zelma. Ouais, mais c'est pas Zelma. Mais j'en sais rien. Je dois prendre au pif. Mais Diantre, voilà que la nourriture vous parle. Ouais, je t'emmerde. Excusez-moi. Il manque de respect, l'autre. Est-ce que j'ai des indices dans le... Je prends une maison au pif. Bah, c'est pas ouf, hein. Je suis tout oui. Allez, Dosmir. Bien sûr. La maison Fangenuit. Elle est dirigée par le chancelier Cronide. Trouvez-le et rendez une justice expéditive. J'en sais absolument rien. J'ai pas pris le plus proche, quoi. C'est lui? Ça a l'air d'être lui. Un reptile qui fraye avec les mortels est indigne d'être chef. Je vais finir ce qu'Andrei avait promis.
Quel secret avez-vous à me livrer? J'espère que vous comprenez mieux l'importance de mon rôle. Mes réceptions sont d'utilité publique, occuper les individus les plus influents et l'élite de notre société avec de telles futilités me permet de prévenir toute contestation. Mieux vaut parfois livrer certaines batailles avant que ne battent les tambours, raison pour laquelle je vous remets mon médaillon. Si nous ne sommes pas alliés, nous ne sommes pas ennemis pour autant. Apportez le médaillon au prince Renental à Tombis. Ce sera très bientôt, sans entrave. J'ai toujours de sérieux doutes sur elle, mais elle semble pas si mauvaise que ça en vrai. Bon, un vol dans le coin. Ouais. Les réceptions entre nobles sont aussi un moyen de maintenir un semblant d'ordre. Prenez l'apparence d'un purotin et veillez à occuper nos ennemis avec assez à manger et à boire. Les réceptions entre nobles sont aussi un moyen de maintenir un semblant d'ordre. Prenez l'apparence d'un purotin et veillez à occuper nos ennemis avec assez à manger et à boire. Qui se déplace à pied. Quel drôle d'idée. Et une arme de plus. En plus du fardeau du passé, les stèles du vice portent une bonne quantité. Bien. Toujours nous battre pour garder le dessus. Utilisez les réserves d'anima que vous trouverez pour réveiller nos alliés et anéantir nos oppresseurs. Sombre salutation, sans entrave. Vous êtes seul face à la fin de la réalité. Nous pourrions avoir besoin d'aide. Eh ben, niveau 10 de renom. Alors, j'ai eu un gain là-dessus. Enfin, j'ai eu deux insignes de renom en allant en BG. Donc, dans les BG, j'ai eu
Vous trouvez 20% de réduit infusé en plus. J'ai vu que j'avais ça, mais il sert ce truc là? C'est une monnaie? J'en ai vu des rubis, mais tiens d'ailleurs ce truc là du coup. On change? Parce qu'en vrai, le score critique m'intéresse plus que la polyvalence. En vrai, je vais changer. Hein. Je vais changer, en plus, il peut y avoir un ensemble... Et ça? Ouais, non, ça c'est de la merde. Ok, allez. Du coup, autre chose ou pas? Bon. Du coup, ce qu'on va faire, on va rapidement aller... Hop. On est d'accord, là, de toute façon... Réputation... Ah, zut, là, c'est l'anima. T'en restes en 23h. C'est quoi, ça? Mais si, vous voulez remise... Ah ouais, mais elle est chiante, cette quête. Attendez, je regarde si je peux... Non, ça, c'est de l'argent. Non, bah, y a rien... Enfin, y a qu'une seule quête qui peut me ramener d'anima, mais elle est vraiment chiante à faire. Non. Hop. On va aller dans l'antre. Ah oui, c'est vrai que le... Ah, c'est vrai que la pierre de foyer aurait été plus efficace. Pour aller dans l'antre. C'est pas grave, on va se taper le fly. Et on va aller rendre la quête des cendres de tourment, là. Donc on va aller voir le renom ancien. Ah, il est vraiment long ce fly. Ah, cet enfer. Et le pire, c'est que dans l'autre sens, il est plus court. C'est vraiment la chauve-souris là qui est lente, quoi, en fait. J'ai apporté quelques modifications à mon fameux parasol afin qu'il absorbe l'anima. Essayez-le donc.
Oh, au secours. Avec la pierre de foyer, je serais déjà arrivé, quoi. Et pourquoi mon chat il défile plus, hein, d'ailleurs? Eh, parce que j'avais remonté tout à l'heure. Niveau pognon, je suis à 271 000. Ça va, je monte toujours un petit peu. Là, faut que je relance mes ventes ce soir. Les Ventir, censés s'occuper d'absoudre ces esprits, ont été rendus fous par la lumière. Ramenez ces âmes négligées dans mon collecteur. On me signale. Ah oui, puis il y a ce problème-là aussi. La pénurie d'animaux. Le Préma a remporté bien des batailles. Le Préma a remporté bien des batailles. Le Xylocard est flétri, mais les rêves de ses feuilles sont encore là. Sans la fonderie des élus, il faut forger les armes tant bien que mal. La maison des rituels mène une cérémonie de renforcement, si vous ne pouvez pas l'interrompre. L'avantage là, c'est que maintenant l'antre, on peut y aller comme on veut. Oui, puis on a aussi la règle numéro 7, je crois, à faire, un truc dans le genre. On va peut-être aller la faire. Et c'est pas obligatoire, mais on va quand même la faire. Toujours l'obscurité ici, enfin j'ai toujours le fondu en noir, il met du temps à... Ah, quand même. Pire, c'est que j'étais pas loin. Alors, je me suis orienté avec la minimap, hein, mais... Hop, à droite. Au destin. Enfin bon. Ah oui, puis il y a les âmes à secourir dans l'antre aussi. On va se faire ça rapidement aussi. Il y a un spot hein, pas loin, il me semble. Où je peux libérer juste avec un petit peu de temps. Et ça, on a déjà fait. Bon, on va le faire en même temps qu'on fait la petite quête là-bas. Alors ça c'est de la quête secondaire, hein. C'est pas de la quête. Tous les mystères seront révélés.
Ah oui, c'est le truc de terrier là. Ah oui, non, oui, non, faut, oui, faut être, non, faut constituer un groupe pour ça. On l'avait vu, et il faut un groupe pour faire ça. Du coup, non. Du coup, c'est non. Et on va aller se libérer. Ah. Alors, de mémoire, pas forcément celui-là. Celui-là, je crois qu'il est pas forcément accessible. S'il est. Voilà, et on va attendre que ça respawn et que ça revienne. Après, il y en a d'autres plus loin. Tiens, il y a des joueurs là-bas. Sauf que lui là-bas il a déjà respawn. Vous voyez, ça va très vite. Hein. En vrai. Qu'est-ce qu'ils fabriquent les joueurs là-bas? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un gros mob là. Je sais pas s'il peut looter quelque chose, on va rapidement. On va aider. Ah ouais, des CJ, d'accord, ok. Ça loot des CJ. Et c'est quoi le soufre entamé, là? C'est un jouet. Bon, écoutez, hop. C'est un jouet pour la collection. Ce sera pour celui qui veut une monture en sortant de la cache.
S'il y en a un qui veut une monture, il l'aura. Zut, la pierre, elle est en... Bon, bah, go farm, hein, du coup. Je vais devoir aller farmer de l'anima. Donc je vais mettre en pause le temps de faire ça et puis ben on se retrouve quand on aura les 1000 anima. Donc on va aller, je vais aller en Maldraxxus d'abord. Il y a ça mais ça a l'air d'être violent. Là et là, ici et ici. En vrai, je me fais ça là. Je me fais les quatre là. Ça déjà sera. Ouais, ok, d'accord. Et là, du coup, je me fais ces 5 quêtes là et ça devrait déjà être pas mal au niveau anima. Du coup, on va partir en Maldraxxus. Est-ce qu'on le fait ensemble? Non, je vais mettre en pause pour faire le farm, et je vous retrouve quand... Voilà, c'est pas très intéressant de faire ces quêtes-là. Juste, je vous rejoins quand j'ai mes 1000 sources d'anima. Pour valider ma quête à... à Ravendreth, à Vistombe. Voilà. Donc, je vous dis... à dans peut-être une bonne heure. Voilà. À plus tard. Bon, cette fois, c'est la bonne. Donc, j'ai fait quelques quêtes en Maldraxxus. Et on va pouvoir rendre enfin cette quête. Aussi beau que la pierre, mais pas plus cher. Onze de renom. J'ai le plus beau choix que vous trouverez. Tant que vous ne pas trop beau. Évitez de trop attirer l'attention. Et donc on a une nouvelle quête qui est apparue. Donc apparemment quand je fais ces quêtes là, ça débloque les quêtes... Venez-vous vous confesser. Tous de renom. Est-ce qu'on a un nouvel emplacement? Non. À 21, d'accord, ok. C'est à 21 de renom. Et pour lui... Hop. Ouais, d'abord que j'active. C'est un peu mal foutu, leur système, là. Voilà, faut cliquer pour activer. Ok, voilà, et il faut que j'active cet arbre là pour le moment, ça reste le meilleur arbre. Ok. Et ben, quête suivante. Le médaillon de l'avarice. Le médaillon de l'avarice était l'instrument du pouvoir de la conservatrice. Il lui conférait l'autorité suprême sur la province des catastrophes, associé à sa parfaite connaissance des innombrables stères du vice de Ravendreth. La conservatrice était imbattable dans son domaine. Lorsque Denatrius a écrasé ma première révolte, il nous a jeté, la conservatrice et moi, dans l'antre. Fort heureusement, elle a réussi à cacher le médaillon avant que Denatrius ne puisse mettre la main dessus. Venez, réfléchissons à un plan.
Approchez, cher catalyste du changement. J'ai chargé la conservatrice de récupérer le médaillon de l'avarice, mais depuis qu'elle a échappé à l'antre, elle est malheureusement devenue assez confuse. Soyez patient avec elle, voulez-vous? Je vous demande de l'aider dans sa quête. Vous la trouverez dans la crypte des oubliés. Ah, et j'ai une quête qui vient de se finir. Ah, ça a échoué? Vous avez perdu. Ah ouais. Ok, d'accord. C'est dommage. C'est pas grave, je renvoie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, faut voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Niveau bâton, j'ai quoi? Non, j'ai mieux. Bon, bah, du coup. Ah merde, j'ai pas vu, il a plus de vie lui. Hop. Allez, c'est parti. Du coup, faut aller là-bas. Et j'ai oublié de prendre le fly qui était par là. Du coup, je vais le récupérer après. Évidemment, les quêtes ont un peu bougé. Du coup, j'ai ça à faire. Fourniture remise. Bon, on verra bien. De toute façon, là, pour le moment, j'ai plus besoin d'Anima. Hein. Soit la quête, elle est faite. Fly. C'est pas. En attendant, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, alors pensez à bien vous hydrater.
J'ai apporté quelques modifications à mon fameux parasol afin qu'il absorbe l'anima. Essayez-le donc. Quelqu'un a enlevé un précieux démon de pierre de la maison Primula. On ne peut pas laisser un tel forfait sans punition. Retrouvez le démon et le coupable avec. Là, faut que je pense qu'il y a un fly à récupérer. Il y avait un fly à récupérer dans le coin, non? Il me semblait. Les brutes vives pierres ont beaucoup de force, mais ne visent pas particulièrement bien. Aidez-les à faire parvenir l'aide à nos alliés postés sur les fortifications en contrebas. Attendez, c'est quoi ça ? C'est pire que je ne le pensais. Le quartier des catacombes a sombré dans le chaos en mon absence. Il y aura fort à faire pour l'en sortir. Oh mais c'est pas vrai. Ah, d'accord, ok, bon. Alors... Enchantée de vous rencontrer. Oh, est-ce déjà fait ? Bon, j'ai caché mon médaillon de l'autre côté de ce miroir, juste avant que Denatrius me jette dans l'antre. Et pour l'empêcher de me mettre la main dessus, je l'ai scindé en deux. J'ai confié chaque moitié à l'un de mes lieutenants. Oh ! Il faut arriver à eux avant les sbires de Denatrius ! Avant l'antre, j'allais bien. À présent, tout est flou. À un moment, nous avons oublié ce que sont les Ventir. Il faut nous rappeler. Eh ben, lui subir des trucs dans l'entrelle. Parce qu'elle a le cerveau à l'envers. Hein. Le guetteur Emile s'occupe des catacombes. Pour moi, ayant toute confiance en lui, je lui ai donné une moitié du miroir avant de finir dans l'antre. Je l'avais affecté aux catacombes catacombes du regret, mais j'ignore où il se trouve précisément dans ce labyrinthe. Commencez par le poste de garde près de l'entrée. Vous y trouverez un officier capable de nous aider, mais je l'ai oublié, espérons qu'il... où elle est survécu à tout ce chaos. Vous devez retrouver Emile au plus vite. Je crains que le temps lui soit compté. Ravendress est au service de deux maîtres. Il est là, le fly. Je le vois sur la minimap. Les brutes vives pierres ont beaucoup de force. Mais ne vise pas particulièrement bien. Aidez-les à faire parvenir l'aide à nos alliés postés sur les fortifications en contrebas. Les brutes vives pierres ont beaucoup de force, mais ne vise pas particulièrement bien. Aidez-les à faire parvenir l'aide à nos alliés postés sur les fortifications en contrebas. Qu'est-ce que... Eh merde. Mince. Oh, puis je clique à côté, bien sûr. Ça, c'est la quête secondaire, ça. Ah oui, puis je suis pas à côté en plus de l'objectif.
En plus du fardeau du passé, les stèles du vice portent une bonne quantité d'anima. Les fragments finissent par se réunir d'eux-mêmes, mais l'alchimie permet d'accélérer le phénomène. Cherchez-vous la rédemption ? Ici c'est une il y a une XP, je pareil, il y a les expéditions, il y a c'est un peu bête qu'on puisse pas les activer, je veux dire qu'on les ait en permanence. Je parierais qu'Emile se cache dans la petite catacombe creusée au pied de la tour. Ouais, bon, ok. Ah oui, d'accord, ok, puis ça s'est stocké, attendez. Hop, programme... Oh, ça me saoule. Attendez. Wow. Screenshot. Hop, et ouvrons ça. Non mais c'est pas vrai, ils ont... Instant respawn quoi. Je parierais qu'Emile se cache dans la petite catacombe creusée au pied de la tour de garde en ruine. Si seulement je pouvais l'atteindre, notre progression dans les catacombes a été stoppée. Les assemblages stèles du vice sont si redoutables qu'ils donnent du fil à retordre au plus fort d'entre nous. J'ai cru que nous étions sauvés quand les éclaireurs camouflés sont arrivés d'Archivan, mais au lieu de ça, ils ont retourné leurs armes contre nous, contre les leurs. La raison de cette trahison m'échappe. J'espère seulement qu'ils se lasseront avant de me mettre le grappin dessus. Ouais. Ah, malheureusement, hein, c'est pas le cas. Bon. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Hein. C'est ça que j'ai lu. Hein. Il est en face, en fait. Wow.
Oh, plus 35 000 PV. D'accord, je peux. Je passe à travers la cage et je. Ouais, c'est une monnaie ça, fragment celle du vice. D'accord, ok. Alors, du coup. Non, c'est plus haut, d'accord. Faut que je monte. Sombre salutation. N'oubliez jamais que votre vie est la racine de votre éternité. Ah, on a l'écharpe ébène. Qui est bien. Qui est très très bien. Ok. Bah oui, elle est déjà au niveau d'amélioration 3 sur 7, alors que moi je suis 1 sur 7 sur l'écharpe. Ouais, d'accord, ok, je vois le genre. Bah écoutez, on va continuer la campagne hein, de toute façon, hein, parce que visiblement... D'autres assassins vont sans doute tenter de nous éliminer, mieux vaut de pas nous attarder ici. Je peux nous dissimuler sous un voile de ténèbres, mais gardez à l'esprit que ce sort n'est pas infaillible. Bien assez parlé, la convocatrice a besoin de nous et... de mon éclat de miroir, hâtons-nous. Escortez le guetteur Émile hors des catacombes du regret. Faites le compte de vos vices, ou quelqu'un s'en chargera pour vous. Oh, mais comme vous êtes gorgé de vie et de liberté. Cette vie que vous pensez acquise, elle me manque tellement. Quel enfoiré.
je suis désolé, je vais sortir du rayon d'action, mais... Ouvre-moi voilà. Cet appel. Bien fait de rappeler mon marcheur du vide. Donc on a réussi l'ami et In Extremis, j'aurais pas pu maintenir ce sort plus longtemps quoi. Emile, je vous cherchais partout, notre sire a besoin de l'éclat de miroir que vous que la conservatrice vous a donné. Beatrius, comment avez-vous pu pactiser avec lui alors qu'il a jeté la conservatrice dans l'antre? Traître. Moi un traître, c'est vous qui participez avec l'âme sans entrave, que je sache. Occupez-vous de ces deux-là et rapportez-moi l'éclat d'Archivium. Bon. Bon, là clairement l'objectif hein, c'est mince. J'aurais dû me douter que Matteo nous trahirait. Il ne m'a jamais inspiré confiance. Je vous rejoindrai à la crypte des oubliés. La conservatrice et vous. Bon. Dommage que ça n'ait pas été doublé cette partie-là de la discussion. Emile, tu es sain et sauf. Matteo vous a trahi et est retourné à Archivam. Il semble qu'il fera tout pour rapporter votre médaillon à Denatrius. Alors j'ai bien peur qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il faut les arrêter. Bonjour. Pour les tourments, veuillez prendre un ticket. Mon sang. J'ai encore oublié dans quel ordre j'avais posé les pièges. Let's go! On va juste nettoyer un peu l'inventaire là, parce que bon c'est, j'ai encore de l'espace, hein, mais Ah, un client potentiel! Voilà. Et du coup, bah, ces deux trucs-là, bah, je peux... Alors ça, non, parce que je peux le vendre. Ça, c'est lié. Ah oui, il y avait ça aussi, merde, à donner au renomancien, je l'ai oublié. Ça, c'est de l'anima. Ça, faudrait que je l'ouvre. Et il y a ça. Il y a ça. Hop. Du coup, ok. À une prochaine fois. 377 pièces d'or. Et surtout, j'avais 4 PO de réparation à balancer. Du coup, là... Enchanté de vous rencontrer. Oh, est-ce déjà fait? Voilà que les vivants arpentent le royaume des morts. Le monde va mal. Alors, j'ai un souci. D'accord. Bon, je vais prendre cette quête-là pour me repérer parce que...